Je dis bonjour à Messi. Levanta Agüero, corre Messi por arriba, Messi. ¡Gol! ¡Gol! Va a venir el cobro. Se apunta Messi. ¡Gol! ¡De Argentina! Leo Messi y Argentina. Merci Messi, merci l'Argentine. Nous sommes les champions de l'Amérique. Salut mec, dans cette journée si spéciale, j'aimerais te féliciter pour avoir remporté un nouveau ballon d'or. Léo, félicitations pour le 7e ballon d'or, c'est juste fou. Il a remporté combien de ballons d'or, papa? 5, tu crois? 7? Non, 7. Je suis très fier de ta carrière, de ce que tu as accompli, tu démontres cela depuis des années et des années. C'est d'ailleurs que tu es le meilleur joueur du monde. Je suis très heureux pour toi. Tu sais que je t'apprécie énormément, je t'aime et tu sais très bien ce que je pense de toi en tant qu'ami. Et la Copa América, c'était bien? Oui, très bien. Super mal. Non, pas du tout, c'était pas bien du tout. Non, non, très bien, très bien. De tout mon cœur, félicitations, je te souhaite le meilleur et profite de ce prix. Je t'aime, profite de ce moment, tu le mérites. Bravo Léo, félicitations. J'arrête de te faire attendre. Et merci. Pour te remettre ton 7e ballon d'or, j'appelle un de tes plus proches amis, Monsieur Luis Suarez. Lionel, tu gagnes ce ballon d'or ici, à Paris, dans ta nouvelle ville. Quelle année incroyable pour toi. Ton départ de Barcelone, ta victoire en Copa América, ta victoire ce soir, ici, à Paris. C'est une année folle pour toi, non? Je l'avais déjà dit, mais mon meilleur prix, c'était au mois de juin. C'est ce que je désirais depuis que j'ai commencé à travailler, à jouer dans la sélection, c'est-à-dire jouer avec ce maillot. Je veux profiter de ce moment et dédier cet accomplissement justement à ma famille, à l'Argentine, ce que nous avons vécu avec la Copa América, cette victoire. Mes amis m'ont beaucoup surpris et c'est très agréable. Je les ai rencontrés ici. C'est un honneur et un vrai plaisir que ce soit mon ami qui me remette ce prix. C'est tellement rare. C'est quoi? C'est l'âge qui te rend un peu plus émotif? Oui, c'est vrai que ça arrive souvent ces derniers temps, mais je crois que c'est un mélange de plein de choses. C'est le 7e ballon d'or, et puis c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était même inatteignable pour moi dans ma tête, donc c'est incroyable. Mais où est-ce que vous sentez capable d'aller chercher un 8e l'année prochaine? La verdad que nunca pensé ni... J'avais même pas pensé au 6e, au 7e ou au 8e même, donc je suis très, très, j'ai très envie de commencer cette nouvelle étape dans ma vie, c'est-à-dire dans le PSG et d'accomplir de nouveaux objectifs, bien évidemment. Regarde ce buzzer. Attends quelques secondes. Tu gagnes un trophée à Paris, ta nouvelle ville. Ok, ton poids, s'il te plaît. Ok, tu peux te retourner pour voir l'écran. Alors tu gagnes un trophée à Paris. Attention. Hey, yellow card, hein. Next time is the red. Hein. Okay. Attention, la prochaine fois, c'est carton rouge. Je suis à la maison ici, à Paris. Je vais te demander de presser ce buzzer chez toi, ici, à Paris, avec ce 7e ballon d'or France Football. This is for you. C'est pour toi.
ses études. La voilà. Tour Eiffel. Qui domine Paris. Paris. Avec la Tour Eiffel et ce Ballon d'Or 2021. Voilà, tu es parti dans Paris, Léo, avec ce Ballon d'Or. Tu es ici, chez toi, à la maison. Bravo, deux monuments. Encore bravo, s'il vous plaît, à Léo Messi pour ce 7e Ballon d'Or. Merci à vous de nous avoir suivis aussi nombreux. Merci d'avoir fait le déplacement. Thank you for following us in 170 countries in the world. Thank you, Didier. It was a pleasure. Merci. Congratulations. Merci. Again.